remercie, Raiden. Oh, notre combat a changé. Pour le meilleur. Vérité que j'admets, Shinnok, c'est que ceux qui s'en prennent au royaume Terre ne méritent pas ma pitié. Je détruirai nos ennemis avant qu'ils ne nous détruisent, en commençant par toi. Et comment, Raiden? Même toi, tu ne peux pas tuer un dieu ancien. Il y a des destins pires que la mort. Envoyez à Liu Kang et à tes sbires du Nether, en guise d'avertissement et de symbole de mon courroux. C'était pas ta destinée, Shinnok. Une fois encore, le dieu du tonnerre a troublé l'équilibre de l'histoire. Mais sache-le, l'arc de l'univers se plie à ma guise. Ce n'est qu'une question de temps. Depuis 25 ans, les forces spéciales sont le glaive et le bouclier de la Terre. Nous avons repoussé Shao Kahn, Terras et Shinnok. Mais chacune de ces victoires nous a coûté. Le lieutenant Jackson Briggs vient d'être libéré de ses fonctions. Ses blessures, tant physiques que psychologiques, étaient devenues un poids trop lourd. Nous rendons hommage au père de Jackie, ainsi qu'à son sacrifice, en accomplissant notre devoir. Défendre le royaume Terre sans relâche. Sergent Cage, avancez-vous. Vos talents de meneuse et de guerrière vous valent d'être promu lieutenant. Mais ici, il n'y a pas de passe-droit qui tienne. Selon la tradition des forces spéciales, vous devez accomplir une dernière épreuve. Je dois botter le cul de mon commandant. Votre cul, commandant. Alors, très bien, sergent. Voyons de quoi vous êtes capable. Fight!
Cage. Au rapport, commandant. Félicitations, lieutenant. Allez, papa. T'es obligé d'y aller? T'as ton devoir à accomplir, et moi j'ai le mien. Jouer dans une énième suite de Mime Ninja, c'est pas ce que j'appelle un devoir. Je dois me saigner pour maintenir le confort auquel je vous ai habitué. Arrêtez, je vois tout, là. Général Blade, Cassandra Cage. Oui, Raiden? Le Nether. On doit tenter le dialogue. Il y a peut-être une explication. Liu Kang et Kitana étaient des amis. Le mal de Shinnok les a irrémédiablement corrompus. Ce ne sont plus les champions que nous avons connus. Il faut lancer une attaque préventive. Il est temps qu'on aille les battre sur leur terrain. Quelle est la cible? La cathédrale de Shinnok enfouie dans les entrailles du château de Liu Kang et Kitana est la source de leur pouvoir. Détruisez-la, et la Terre n'aura plus à craindre leurs terribles armées de cadavres. Ces pouvoirs ne sont pas plus faibles dans le Nether? Si, mais j'aurai assez de force pour retenir l'armée de morts-vivants. Ça nous laisse du temps pour nous infiltrer dans la cathédrale, et la détruire de l'intérieur. Si on se fait coincer là-dedans, on est cuit. Pour assurer la survie du Royaume Terre, on doit tous être prêts à se sacrifier. Oh, franchement, ça fait 2 ans que t'en fais les caisses avec ton look dépressif à pigner sur le sacrifice. Toi, t'as pas de famille à perdre. J'ai connu le deuil, Johnny Cage. Raiden a raison, Johnny. On n'est pas prêt pour une nouvelle guerre. Il faut neutraliser l'armée du Nether maintenant, avant que Liu Kang ne nous l'envoie.
On est en position. Raiden a intérêt à nous pondre une bonne diversion. Reculez ! Vous subissez le courroux du protecteur du royaume Terre ! Si Raiden arrive jusque-là, éliminez-le. C'est Cabal, le grand brûlé? C'était bien le bras droit de Kenno avant. Te laisse pas avoir par ses blessures. Il est rapide. Supprime les jades et lui. Je descends mettre en place le C4. Reçu. Yeah!
aurais mieux fait d'étaler. Jackie, où est Jade? Elle a filé, cherchait des renforts. Général, ça avance? Encore 10 minutes. Les colonnes porteuses sont plus espacées que prévu. Un coup de main? Négatif. Protégez nos arrières. Encore 10 minutes? Il fallait qu'on décampe au bout de 5. Ouais, ben là, on est dans la merde. On a du C4 en rab, non? Ouais, pourquoi? Eh ben, on va gagner du temps. Diversion. Ça va péter. Je n'ai pas oublié notre dernière rencontre, Temple Céleste. Ça va, tu cicatrises bien? Fight.
coincé, Cassandra Cage. Décidément, l'élu tombe bien bas. Raiden a raison. Je sais pas ce que Shinnok t'a fait, mais t'es une cause perdue. Fight! Moi, je vais y passer. Quoi ? Pas question que je t'abandonne ! Rapatrie ton équipe. C'est un ordre. C'est ton devoir. Le mien, c'est de finir cette mission. Maman, non ! On peut le sauver ! Je t'aime. T'embrasseras ton père pour moi. Maman, non, non! Maman! Maman! Trop tard, elle a lancé le compte à rebours. Annule la séquence, Yuki! On peut pas annuler. On a reçu l'ordre de partir. Ah.
même chance. J'hallucine, tu peux pas avoir dit ça. Oh, vous êtes de retour. Mais comment la mission, c'est... Non. Vulnérable. Qui êtes-vous? Une déesse ancienne de Raiden qui vient nous railler? Non, Kitana. Je suis plus que ça. Admirez. Chronica, gardienne du temps. Les sables du temps guident le destin des royaumes et de toutes les âmes qu'ils abritent. Je les ai façonnés pour veiller à l'équilibre des mondes. Mais les actions de Raiden ont irrémédiablement altéré la pureté de mon œuvre. Une douleur que vous avez sentie passer tous les deux. Que peut-on y faire? Le passé reste du passé, pas vrai? Non, pas forcément. Je compte inverser le temps jusqu'au début de l'histoire, afin de tout recommencer. Même avec mes immenses pouvoirs, je ne peux pas lancer ce nouvel âge toute seule. En quoi ce nouvel âge sera différent? À bien des égards. Mais avant tout, sachez qu'il n'y aura pas de Raiden. Comment s'y prend-on ?